j'avais un peu envie de donner aux autres plutôt que de recevoir tout seul. Et en fait, Facebook m'a proposé à l'approche de mon anniversaire de créer une cagnotte que j'offrirais à une association. J'ai trouvé l'idée super. Ça rentrait totalement en cohésion avec ma façon de penser à ce moment-là. Et je trouvais que c'était une bonne idée et ça permettait aussi de, via les réseaux sociaux et donc cette mise en place de cagnotte, de sensibiliser un petit peu mon entourage à une action, celle du Secours Populaire en l'occurrence. Facebook a imaginé les choses de manière très simple. En 3 clics, on arrive à créer la cagnotte, à la partager et à fédérer autour de ça. C'est hyper simple. Je m'attendais à ce que mes amis soient généreux. En revanche, je pense que le fait que ce soit au profit du Secours Populaire, ça les a incités à peut-être donner plus que ce qu'ils auraient donné. Je m'attendais pas à recevoir autant et en même temps, c'est jamais vraiment assez. En tout cas, j'ai apprécié l'engouement pour la démarche parce que c'était un peu nouveau au moment où je l'ai fait. Ça s'était pas beaucoup vu et c'était chouette de voir autant de mobilisation pour cette cagnotte. J'ai choisi le Secours Populaire parce que c'est une association qui regroupe beaucoup d'actions et c'est difficile de choisir, de savoir sur quel plan on va aider les gens. Et le Secours Populaire fait de la prévention médicale, le Secours Populaire aide les gens qui sont dans le besoin, au niveau alimentaire également, sur la santé. Enfin, c'était une façon pour moi de pas forcément choisir un angle précis, mais plutôt de mettre cet argent au profit de plein de choses très importantes, ce que fait le Secours Populaire au quotidien. On est dans une société aujourd'hui, on a besoin d'avoir beaucoup pour se sentir exister. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui ont besoin de donner pour se sentir exister. Moi, j'ai besoin de donner parce que j'ai assez dans mon quotidien. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas accès à la moitié de ce que j'ai. Donc c'est important de pouvoir embellir leur vie, que ce soit avec juste un peu d'argent, avec juste un peu de nourriture ou de pouvoir les soigner correctement. Voilà, juste essayer de rendre ce à quoi moi j'ai le droit tout le temps et facilement.